Hello, coucou tout le monde, c'est Yota, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, puisque comme vous avez pu le voir sur le titre, Upsilon et moi avons décidé de créer un nouveau concept sur la chaîne, les Review Gaming. Le concept est simple. Pour chaque mois à venir, nous vous présenterons trois sorties. Ça peut être des jeux, des consoles ou même des accessoires. Par exemple, pour ce mois de février, nous avons choisi de vous présenter trois jeux. Je tiens tout de même à vous préciser que ces jeux ont été choisis de manière totalement subjective, c'est normal, puisque dans tous les jeux qui sortent, il a bien fallu faire un tri, et donc les jeux qui ont été choisis en fonction de l'intérêt que nous leur portons. Trêve de blabla, on se retrouve tout de suite pour le premier jeu, en attendant, intro! Et on commence donc la vidéo avec le premier jeu qui est Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. Alors vous me connaissez, tout le monde me connaît, je connais tout le monde. Ayant fait tous les jeux de la série et étant un grand fan du manga Naruto en lui-même, j'étais obligé de vous parler de ce jeu. Même si il est vrai que c'est pas réellement un jeu, c'est plus un DLC Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Bref, qu'est-ce que la série des Ultimate Ninja Storm? Donc, c'est un jeu de combat qui retrace l'histoire du manga Naruto. Et la série est éditée par CyberConnect 2 et développée par Bandai Namco. Donc, cette fois-ci, nous retrouverons Naruto et son histoire à travers la quatrième grande guerre ninja. Mais tu me diras, jusque-là, Yota, y a rien qui change par rapport au Ninja Storm 4. Effectivement, t'auras raison. Mais c'est pas tout. Il y aura non seulement l'histoire de Naruto, mais également celle de son fils Boruto. Donc, vous retrouverez l'histoire du fils du 7ème Hokage dans l'intrigue du film Boruto. Donc vous aurez de beaux combats avec un magnifique Rasengan père-fils tellement badass. Et vous aurez également de nouveaux personnages jouables sur le mode combat libre, notamment la team de Konohamaru qui comprend Boruto, Sarada et Mitsuki. Mais vous pourrez également jouer Naruto et Sasuke en mode adulte. Personnellement, je n'achèterai pas le DLC puisque claquer 20 € dans un DLC qui va me prendre 2 heures de jeu, franchement, je pense pas que ce soit vraiment intéressant pour moi. Même si je pense que l'ajout de cette histoire du film Boruto ainsi que l'ajout des personnages jouables est très intéressante puisqu'elle apporte un panel encore plus énorme au panel déjà existant de personnages déjà présents. Et les aficionados de la série Naruto seront heureux de retrouver le digne descendant de notre ninja blond préféré. Le DLC sera disponible le 3 février et sortira sur Xbox One, PS4 et PC. Et d'ici là, personnellement, je vais me faire un pote qui l'achètera, comme ça je pourrai y jouer. Trêve de plaisanterie, je vous laisse la fin de la bande-annonce. Et ensuite, vous retrouverez Upsilon pour le second jeu. Quant à nous, on se dit à tout à l'heure pour la dernière partie et le dernier jeu. Allez, à tout à l'heure. Merci pour l'annonce, mon cher Yota. Le mois de février est effectivement le mois du retour de l'agent d'infiltration slash sniper Carl Fairburn sur toutes les plateformes de dernière génération, à savoir Xbox One, PS4 et PC. Sniper Elite 4 sortira donc le 14 février 2017, date idéale pour tous les amoureux de la franchise. Blague à part, le jeu promet des maps de missions plus grandes et des possibilités plus importantes pour abattre nos méchants préférés, les nazis. Entre la capacité de détruire les balcons où ils se trouvent, de monter sur les toits pour trouver le spot idéal, etc., le jeu devrait fournir plus de solutions d'approche que ses prédécesseurs. Ce sera évidemment le retour de la killcam sanguinolente qui a fait la renommée de la série. Et là où Carl opérait en Afrique du Nord dans Sniper Elite 3, ici l'action se passera en Italie, alternant villages colorés, lieux plus naturels et chantiers de construction nazis gigantesques. Les développeurs nous ont promis une campagne à deux, 1080p native et un mode multijoueur.
Les différents niveaux de difficulté adapteront le niveau en un jeu plus arcade ou une simulation prenant en compte le vent et les battements de cœur du héros pour réaliser le tir parfait. Bref, il ne vous reste plus que quelques jours pour précommander le jeu, ce qui vous donnera accès à une mission inédite et un pack de skins. Rien que du très classique ici. Le jeu a l'air totalement dans la veine de ses prédécesseurs, alors si vous êtes fan de la licence, je ne vois pas, a priori, ce qui pourrait vous rebuter. Si à l'inverse vous n'aimez pas la série, je ne pense pas que ce soit le titre qui vous fera changer d'avis. Pour ma part, qui avait un petit peu touché au 3, même si je ne suis pas ultra hypé, je dois dire que les différents ajouts qui ont été faits sur ce titre me donnent à penser que c'est un jeu qui pourrait m'intéresser. Voilà, c'est tout pour moi, je repasse la parole à Yota pour le prochain jeu. Ah, allô, c'est vraiment une grande histoire d'amour entre ce jeu et moi. Et si vous connaissez notre let's play avec le Bro Epsilon, vous savez que j'aime ce putain de jeu. Et bien entendu, en tant que fan de la saga, j'ai joué au premier Halo Wars, et personnellement, je l'avais kiffé. Concernant l'intrigue de ce second volet, il est plutôt simple, mais en même temps, ça reste du Halo. Donc, après un hyper sommeil de 28 ans, l'équipage du Spirit of Fire se réveille à l'approche de l'Arc. Le capitaine Cutter ainsi que la Red Team découvrent un nouvel Halo. Les humains rencontrent alors une force covenant de Renega appelée The Banished, et n'ayant aucune connaissance de la défaite extraterrestre quelques années auparavant, les canons ainsi que les tirs d'obus se font vite entendre. Au niveau des nouveautés, bien sûr, après 7 ans et un passage sur Next Gen, nous attendons des graphismes irréprochables ainsi que des belles cinématiques que nous retrouvons également sur Halo 5. Le jeu se dote également d'un mode multijoueur allant de 1 contre 1 à 3 contre 3, ainsi qu'un mode domination. Les développeurs ont été particulièrement intelligents avec le mode Blitz. Parce que soyons honnêtes, qu'est-ce qui est chiant dans un jeu de stratégie? C'est la longueur du temps de récolte des ressources ainsi que celle de la construction des bâtiments et des troupes. Et bien le mode Blitz règle tout ça, puisque le joueur va pouvoir se créer un deck de cartes. Ces cartes vont lui permettre d'invoquer les différentes troupes qu'il a, et les parties deviendront donc beaucoup plus rapides puisqu'elles se feront entre 5 et 10 minutes. Elles seront également beaucoup plus agressives puisqu'en plein milieu d'un combat, il sera possible d'invoquer nos troupes derrière les lignes ennemies. Donc personnellement, j'achèterai ce jeu et je vous en ferai certainement un let's play, je pense, c'est pas encore sûr. Mais bref, c'est déjà terminé pour la présentation des 3 jeux. Je laisse le mot de la fin à Upsilon et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde! Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier mensuel gaming sauce génération gaming. Nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce qui est bien et ce qui doit être amélioré. N'oubliez pas de clap, commenter, liker, abonner et partager. Et avant de terminer, faites-nous savoir quels sont les jeux que vous attendez pour ce mois-ci. Grâce au sondage à droite de la vidéo. Pour les jeux, nous avons For Honor, le jeu d'épée de viking de Ubisoft. Dragon Ball Fusion, une autre adaptation de manga. Torment Tides of Numenera, un RPG qui m'a l'air très intéressant avec un système de 3 classes complémentaires. Nioh, un Dark Souls au temps des samouraïs. Et Lego World, un Minecraft façon Lego. Si vous avez des attentes pour mars, dites-le nous en commentaire. C'était Upsilon et Yota. À la prochaine!